Et yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite où on va tout simplement récupérer les récompenses du tournoi de la Summer Smash Cup. Donc pour ceux qui sont peut-être au courant, en ce moment il y a eu du coup 2 jours où on avait la possibilité de gagner un skin en passant directement sur les serveurs en Asie, puisqu'il y avait du coup un tournoi qui nous permettait de gagner un skin si on terminait dans les 10%. Donc pour ma part, j'ai participé au tournoi aujourd'hui, je crois que j'ai fait 48 ou 49 points. On va voir si on a du coup gagné le skin ou si on a gagné uniquement la pioche. Donc je vais aller directement dans le Battle Royale et normalement je devrais avoir des récompenses. Donc on va bien voir si j'ai une récompense. Et oui, on a récupéré le skin bombeuse comme vous pouvez le voir, on a énormément de trucs, on a même la pioche en fait. Je pensais qu'on avait juste un des trucs, donc on a le skin bombeuse, on a l'enseigne néon qui est du coup la pioche, ok, l'éclaboussure qui est donc le camouflage, et ensuite on a 3 petits trucs, aérosol, aérosol et encore un aérosol, ok. Bon, c'est plutôt cool, franchement je suis content, j'ai réussi enfin à avoir ce petit skin. Bon, hier faut savoir que j'avais pas fait le tournoi puisque j'étais pas au courant. Et du coup ça fait plaisir, donc on va aller sur suivant ou s'équiper. On va faire s'équiper. On va faire pareil, on va s'équiper de tout comme ça. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire suivant, suivant, suivant. Ok, donc là on a tout. Donc là je vous montre rapidement, c'était dans compétition. Et c'était juste ici, voilà. Donc en fait il fallait avoir le serveur, fallait être en serveur Asie. Et donc dans détail de l'événement, moi j'étais à 48 points, voilà c'est ça. Et donc là vous voyez, vous avez le classement de la session, donc j'étais dans les 2% supérieurs, ce qui est quand même pas mal du tout. Surtout qu'on avait 300 de ping constant quasiment, donc c'était un petit peu galère. Du coup je vous montre un petit peu le skin, vous voyez qu'il ressemble à ça, on a également la pioche ici. Franchement il est super classe, franchement pour un skin gratuit il est pas mal du tout. Ce que je vous propose les gars, c'est qu'on va aller en créatif, on va se faire une petite map d'Aimedit. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que donne ce skin et également aussi ce que donne le petit camouflage. Ok du coup les gars, on se retrouve donc sur ma map d'échauffement. On va essayer de faire un petit temps avec le skin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai équipé également aussi le camouflage, qui est franchement pas mal du tout, et le skin aussi qui est vraiment très stylé, surtout pour un skin gratuit. On va essayer de se faire un petit temps sympa et on va voir ce que ça donne avec ce nouveau petit skin, qui en plus de ça à mon avis risque d'être assez rare, parce que comme vous le savez c'était sur les serveurs Asie qu'il fallait avoir le skin. Du coup je pense qu'en Europe il y aura peut-être pas énormément de personnes qui l'auront. Bon, je pense qu'il y a sûrement d'autres Européens qui ont fait aussi la même technique en changeant les serveurs pour avoir le skin. Mais c'est vrai que c'était pas non plus si facile que ça d'arriver à jouer avec 300 MS. Bon, on est pas trop mal, on va essayer de faire un petit temps sympa. Ça serait cool qu'on arrive à faire un bon temps avec le nouveau skin. Alors, en plus de ça, je sais même pas si c'est un skin qui sortira plus tard dans la boutique. En tout cas, c'est possible que ça arrive plus tard peut-être. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec ce skin, s'ils vont le laisser en exclusivité ou quoi. Hop. Ok, on arrive ici. En tout cas, ça fait très bizarre par contre de repasser avec très peu de ping. Parce que jouer 3 heures avec 300 de ping, c'est pour le coup assez galère. Ok, on va recharger ça un peu. Hop. Je crois que j'ai raté la cible, c'est pas grave. Ah. Ok. Bon, j'ai raté quelques edits. Mais je pense qu'on est pas trop mal là. Ah, on va pas arrêter. Ok. Bon, je pense que là on est à peu près à la moitié de la map. Par contre la pioche en fait elle est pas très jolie, mais elle est assez fine on va dire. Quand on la porte en main, elle est pas trop mal. Hop, il reste un bot ici. Celui d'en bas, non, aussi. Ok. On arrive bientôt à la fin du parcours. Hop. Bon, désolé, hein, si je parle pas beaucoup, mais j'essaye de...
de pas trop rater mes edits pour au moins faire un plan correct. Parce que là c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps. On les reste les dernières 6 ici. Bon, on va pas tirer, bon c'est pas grave. Ok, on arrive à la fin du coup. Ok, bon, on a fait 6-36, bon je crois qu'on a oublié 6-36, on a raté quelques petits trucs. Mais c'est pas trop gênant. Mais au moins comme ça j'aurais pu vous montrer un petit peu à quoi ressemble le skin en gameplay. Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu différent de vous le montrer dans les menus et ensuite en jeu, c'est toujours un petit peu mieux. Et voilà en gros à quoi ressemble ce petit skin. Bah écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo eh bien, vous aura plu. Comme ça j'ai pu vous présenter ce nouveau petit skin en exclusivité. Du coup bah merci les gars encore une fois d'avoir regardé cette nouvelle petite vidéo. Comme d'habitude n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis bah nous sur ce les gars on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.